partenariat il consiste en, donc, en un prêt de robots, donc, notamment deux robots physiques, on va dire, au niveau de Superfo Paris. Et l'objectif étant qu'un maximum d'étudiants travaillent sur la version virtuelle du robot et puissent après finir sur le robot physique pour tester leurs applications qu'ils auront développées. Et en échange de ce prêt de robot, Superinfo développera des applications qu'ils pourront mettre à disposition de l'ensemble de la communauté Emox. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que nous, donc on est une petite société d'environ une dizaine de personnes aujourd'hui. Donc nous, on développe le kit de développement du robot. Mais il y a tout un tas d'applications en fait à développer qu'on ne connaît pas aujourd'hui. On n'est pas assez, on n'a pas forcément le temps et les ressources pour développer ce genre de choses qui sont un peu des produits finaux pour le grand public. Et on ne pense pas qu'à 10, on puisse trouver les meilleures idées en fait. Et c'est pour ça qu'on essaie de créer une communauté de personnes du côté typiquement de l'informatique pour que ces gens-là, avec leur imagination et leur enthousiasme, ils créent justement, ils aient les idées des futures applications robotiques qui feront que ce produit-là sera le produit, on va dire, phare de la robotique et que tout le monde voudra.